Bonsoir à tous 18 h 01 vous êtes sur 01net TV et comme chaque jeudi soir place à la grande messe de l'actu techno exclusivement sur 01net TV en direct 18h 18h30 c'est 01 à la webdo. Ravi de vous retrouver Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour 30 minutes pour débriefer l'actualité tech de la semaine avec tous les spécialistes de la rédaction de 01net. Et comme d'habitude, avec vos questions, vos réactions en direct sur Twitter, hashtag 01Live. Au menu, on va parler de l'E3, de l'ECUBE, de l'E3, ouais, de... Comme vous voulez. Enfin bref, c'est le plus grand rendez-vous du jeu vidéo de l'année. Ça se passe à Los Angeles. Pierre Fontaignetté, Émeric Siméon n'a pas dormi depuis quelques jours pour suivre toutes les annonces en temps réel, sans jet lag. C'est pas complètement faux. <laughs> Et, <voilà. rire> Et on va suivre euh, eh quelques-unes des grandes annonces de cette E3, ECUBE. On dit Moi je dirais bien le 3. Tu voilà, le 3, voilà, faisons, faisons ça. À la français, simple. Le 3, ça sera dans un instant sur Zero net TV. Ouais, voilà, on va essayer de comprendre, de, de voir ce qu'il en ressort, quelles sont les grandes tendances. Et puis on s'interrogera notamment sur euh, l'aspect hardware, sur les masques, les masques de réalité virtuelle. Sont-ils l'avenir du jeu vidéo Eh hein bien justement, vous êtes fan de jeux vidéo, vous êtes accro... À toute cette actu, qu'en pensez-vous de toutes ces nouveautés Dès maintenant, vous pouvez réagir avec le hashtag 01Live. Sur Twitter, vous rajoutez hashtag 01Live, vous posez votre question. Elle arrive en temps réel sur nos téléscripteurs, les amis. Donc, n'hésitez pas. On retrouvera bien entendu également dans ce 01 Live Hebdo nos amis du Labo01Net.com qui viendront nous dire sur quoi ils planchent en ce moment. On parlera de smartphones, on verra une montre euh, une montre connectée, une de plus. Euh, C'est complètement ouais. innovant, la <laughs> montre connectée. C'est totalement C'est super. C'est Stéphanie qui viendra nous parler de ça. Je crois qu'elle a une tablette sous le coude également. Et puis, on parlera de caméras connectées et même de streaming live. Voilà, et puis si vous êtes un fan des liseuses Amazon, les amis, je ah sais oui. qu'il y en a quelques eh bien, vous les verrez en exclus tout à l'heure. Stéphanie Molinier nous les montrera. Ce sera dans une vingtaine de minutes environ. On y va, Jérôme Oui, c'est parti, c'est 01 Live Hebdo sur YouTube Dailymotion, Live TV d'Orange et bien entendu www01 Et on va commencer bien sûr par notre question 01 net orange, comme chaque jeudi soir. Vous votez. On vous demande votre avis sur www.0nettv.com. La question de cette semaine, évidemment, est consacrée à l'E3, donc ce salon du jeu vidéo. En matière de jeu vidéo, que retenez-vous de cette 3 2015, même s'il n'est pas encore véritablement terminé euh, Voilà, même si voilà, on, a, on arrive aux dernières heures hein, de ce salon, qu'est-ce que vous retenez Les annonces Sony, les annonces Microsoft, les annonces Nintendo, les masques de réalité virtuelle ou bien la percée des éditeurs indépendants N'hésitez pas, votez, dites-nous, on fera un point tout à l'heure. On va maintenant franchir l'Atlantique en là. toute simplicité, on grâce suite grâce à la magie des moyens techniques. Si beau. tout fonctionne bien, nous allons retrouver tout de suite notre ami Pierre Fontaine qui est à Los Angeles. Pierre, est-ce que tu nous entends Oui, je vous entends très bien. Ah, Salut super. Pierre. Oh, on te voit bon magnifiquement bonjour, bonjour. bien. Oh, C'est incroyable, superbe chambre d'hôtel, absolument incroyable. <laughs> Parfait. Euh, Pierre Fontaine, voilà, le 3 est presque terminé... quand même... Comment on a, encore une bonne jour... on a encore une bonne journée là, hein, les lapins... Ouais, une bonne hein. journée pas ouais. fini pour nous. Hein. Est-ce que le plus ouais, est... gros est déjà passé à ton avis euh, bah, le, le plus gros des annonces, oui forcément, euh, parce que là, elles, se font, elles se font pendant les keynotes et puis en, en tout début de, de, de salon. Hein, les, les keynotes, euh, traditionnellement, c'est le lundi alors. Cette année, il euh, y a un, 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 petit, euh, un petit grigou de euh, Tesla qui s'est invité le, le dimanche soir et qui a grillé la priorité à Microsoft. Mais bon, les annonces, elles se font en tout début de salon. Et puis après, bah, c'est euh, la course pour essayer de tout voir. Et euh, on vous rassure, on n'y arrive pas. Hein. Euh, donc euh, voilà, ouais, c'est. C'est là, on, on va dire, le plus gros est passé, mais ce n'est pas fini, voilà. Bon alors, tu as quand même vu beaucoup de choses. Tu nous, l tu nous as fait partager depuis le début de la semaine sur 01net TV, sur 01net.com. Il y a plein de vidéos, hein, à aller voir si vous ne les avez pas vues encore. Malgré tout, euh, on voulait t'avoir ce soir pour que, ben voilà, on, on se pose cinq minutes et mais... tu nous dises un petit peu les, je sais pas, les deux trois choses principales qui t'ont marqué. Voilà et puis ton sentiment, quoi. C'est un bon cru ce 2015, cette 3 2015. Alors moi je trouve que c'est un cru qui est pas inintéressant euh, et enfin qui est intéressant de, au moins d'un point de vue c'est que euh, depuis le lancement de la nouvelle génération de consoles euh, on avait un petit peu Sony qui se baladait euh, qui faisait la course en tête. Euh, et là, euh, bah, on l'a vu, vu avec une conférence. Alors, euh, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de fan service, ce qui fait que les, les, les fans sur les réseaux sociaux disent Ouais, c'est génial, regardez, c'est super. Et en fait, quand on regarde le catalogue de ce qui va sortir sur PS4, il bah, n'y a pas grand chose pour l'instant. Enfin, pour cette année, il n'y a pas grand chose. Et donc, c'est intéressant de voir que euh, Microsoft, euh, cette année, a, euh, bah, a, a joué un petit peu sérieusement en disant Regardez, nous, en 2015, début 2016, on a tout ça. Et donc, Peut-être qu'il pourrait y avoir une inversion de tendance, donc c'est toujours intéressant de voir que bah, la guerre n'est pas gagnée, qu'en fait hein, les batailles continuent à se livrer. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Euh, le deuxième point intéressant, c'est de de voir effectivement euh, que la, la réalité virtuelle est de plus en plus euh, présente sur le salon. Euh, elle n'est pas forcément présente seulement euh, sur les stands d'Oculus ou d'OSVR. Euh, elle est euh, présente dans plein, plein, plein de petits stands. Et d'ailleurs, généralement, on se rend compte qu'il y a une, une, une attraction euh, réalité virtuelle parce qu'il y a une queue de 2-3 heures. Hein. Donc, euh, mmh. donc, donc voilà, quand on voit une grande queue on fait soit les, to les toilettes, soit il y a de la réalité virtuelle. Parfois, <laughs> il y a deux en même temps, je ne sais pas. Je, je pas fait toutes les. Mais voilà, donc voilà, ça, c'est. C'est une autre tendance. Et puis je vous entendais parler de, 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 de des jeux indépendants. Euh, effectivement. Alors bon, il y a, y a déjà depuis plusieurs, plusieurs éditions, hein, il y a une grosse, grosse présence des éditeurs indépendants, mais il faut bien dire aussi que les, les constructeurs, de, les fabricants de, de consoles, hein, de Sony, d'ailleurs, sauf à Sony Microsoft et même Nintendo maintenant qui commencent à, à mettre ça en avant, sont bien rendus compte qu'il euh, y avait des, des pépites euh, dans le jeu indépendant et qu'ils n'arrivaient pas forcément à avoir euh, à eux tout seuls euh, des, des catalogues euh, vraiment très attrayants. Euh, par exemple, là, on, on voit bien que, par exemple, Bon, pour reprendre l'exemple de Sony, Sony a un catalogue euh, first party, c'est-à-dire édité par lui-même un petit peu faiblard, donc il a, compté, il a beaucoup compté sur des éditeurs tiers, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis euh, Black Ops 3 euh, en avant pendant leur, leur conférence. Et évidemment, euh, bah, pour muscler le tout, euh, un, peu, un petit peu de polish à leur catalogue, ils comptent aussi beaucoup sur les indépendants et vu qu'il y a plein de petits jeux terribles, bah, voilà, forcément c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Voilà, je dirais que c'est à, à, à mon. À, à vue de nez comme ça, euh, trois, petites, effectivement, trois petites tendances que, que j'ai remarquées. Euh, après, bah, évidemment, il y a toujours les, les, les gros titres qui, euh, qui surnagent, qui, qui dominent un petit mmh. peu, euh, qui dominent un peu le salon. Quoi. Voilà, les Call of Duty, voilà. effectivement. Les, Alors, euh, les un, un, un très bon on Call of Duty. en avait déjà parlé sur ZeroNet TV, bien sûr. S'il ouais. euh, y a un jeu qui te, qui te donne envie de te précipiter lorsqu'il va sortir, y euh, bah, euh, là, il y en a un Là, s'il n'y en a pas qu'un, c'est bien le problème. <laughs> euh, une... Un seul. Ouais, c'est très difficile, alors si, si je devais en citer qu'un euh, qui serait vraiment un, une sorte de, de coup de cœur pour des, des raisons très personnelles, ça serait Unravel, c'est un, un jeu qui est édité par Electronic Arts, d'ailleurs on a, on a fait une vidéo dessus, euh, c'est un, un jeu qui rappelle plein 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 de, de plateformers à l'ancienne, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment top, très beau, très joli, très poétique. Et, et on voit coup, là, quand tu joues à ce jeu-là, t'as en as, dire un petit enfant, c'est eh ben, plus ouais, le même je, Pierre Fontaine je... <laughs> En fait, je me suis rendu compte que j'avais le sourire relève pendant une bonne partie de la démo, et c'est quand même plutôt bon signe. Euh, enfin voilà, à titre personnel, ça me rappelle à la fois du Nicky Boom, ça me rappelle des plateformes euh, un petit peu, euh, peu trapues, et, et tout, toujours avec euh, une histoire derrière qui est, qui est plutôt sympa, parce qu'en fait, on est une sorte de, petite, de petit bonhomme en pelote de laine, euh, né... Euh, d'une corbeille de pelote de laine d'une grand-mère qui essaye de se rappeler de certains souvenirs et en fait on découvre les souvenirs de, de cette grand-mère comme ça au, au fil du jeu et c'est franchement très très chouette ouais. et puis ça a l'air très donc joli c'est hein. superbe et, euh, et en plus son, 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 son créateur qui est, qui est un suédois mmh. euh, quand, quand on le regarde et quand on parle avec lui il a, il a des, des airs de doux rêveur euh, absolument charmant donc c'est bon, voilà. vraiment très très sympa voilà. Voilà. Ça, ça sort ça, quand voilà. c'est frais alors ça sort quand quand on lui a posé la question euh, au créateur il nous a dit euh, on voit la lumière au bout du tunnel mais je peux pas vous dire si c'est en 2015 ou 2016. Ah oui. Donc voilà, c'est sens... hein Voilà, il y a une bonne vue on va dire. Très bien. Voilà. Et ça ça sur PlayStation 4 et Xbox One alors voilà donc nous on y a joué sur PlayStation 4 et quand on a demandé aux personnes qui géraient la démo On dit bah, alors ils sortent sur quoi Ils vont sortir sur Xbox One, PC, PS4 Ça on peut pas vous le dire mais il va sortir sur PS4 Ça on peut pas vous le dire mais je suis en train de jouer sur PS4 donc il va sortir sur PS4 Ça je peux pas vous le dire <laughs> <laughs> C'est quoi hein C'est très bien Donc voilà donc gros mystère mais en tout cas c'est un bon jeu à surveiller ça sera chez Y. Chez voilà Parfait. Super. Très Mer bien. Merci Pierre. Merci. Et bonne Pierre. journée puisqu'il est quelle heure là-bas Il est 9h du matin, ouais, 9h10. 2h10, on va y aller d'ailleurs. Allez, le breakfast euh, bon bah bon breakfast. Et puis bon beaucoup. bonne journée de trois supplémentaires. Et la dernière, yep. donc, cette 3 avis, bien sûr, sur 0 netcom et 0 net tv avec une multitude de vidéos qui vous attendent. Mais on va poursuivre maintenant avec l'analyse d'Emeric Simon qui est avec nous. Et oui, salut Emeric. Bonsoir. Parce que Emmeric c'est notre deuxième gamer maison. C'est ça. Euh, qui évidemment a suivi, même si c'était de Paris, de très près cette 3 et donc avec un peu plus de, de, de recul encore que Pierre. Euh, donc, on va essayer de, 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 de dégager les principales tendances. Pierre a évoqué déjà notamment cette percée des indépendants, etc. Qu'est-ce qui toi a retenu ton attention alors, euh, moi, euh, je, 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 je suis. Euh, j'ai regardé en fait toutes les confs, hein, vraiment, voilà. Euh, toutes les conférences. Oui, parce pour voir un étaient toutes diffusées. Voilà, euh, euh, c'est ça. Alors, la nuit ou en replay, etc. Oui. Mais à coup pas, il y a un moment où j'ai voulu dormir quand même un peu. <laughs> euh, donc, j'ai regardé les conférences pour voir un petit peu euh, tout ce qu'il y avait au menu, en fait, hein, de, de ce cru 2015 avec des perspectives à 2016, voire au-delà. Hein, parce qu'il y a même des jeux dont on ne sait absolument pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Euh, alors, effectivement, ce qui ressort et ce que disait Pierre. C'est vrai que euh, Sony avait pris la tête de, 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 des ventes des consoles et c'est encore le cas avec sa PS4. Euh, et puis il semblait avoir un catalogue très chargé, bien étoffé, etc. Et puis là, euh, bon, bah on se rend compte que Microsoft euh, bon, bah voilà, rattrape son retard, hein, qui est un petit peu en retard, etc. Alors bon, à grand coup de, je brade un peu ma console, je la vends un peu moins cher. Euh, voilà, j'ai quelques exclus plus ou moins temporaires. Hein. J'en mets partout pendant là, la con. J'en mets partout pendant la raison. Voilà, c'est ça. Euh des gros gros shows ouais. à l'américaine hein, ouais. vraiment il y a même une voiture qui est descendue du plafond pour oui, truc euh, pour 6 c'est ouais, ça pour Forza 6 Motorsport euh, voilà le, le truc qu'on voit tous les jours voilà. en fait c'est ça donc euh, voilà donc effectivement euh, moi ce que je retiens c'est que euh, bah voilà la, la guerre effectivement est toujours déclarée euh, après sans vouloir faire euh, le fanboy pour une écurie en particulier euh, effectivement c'est vrai que Microsoft a mis les moyens Sony s'est euh, un peu plus imposé comme euh, euh, créateur d'expérience à plus ou moins long terme mmh. Mmh. Euh, avec effectivement voilà, des jeux comme The Last Guardians qu'on a vu euh, réapparaître un peu de ses cendres, un, un fabuleux reboot euh, de FF7, donc de Final Fantasy VII. Euh, je pense que, comme énormément de joueurs de RPG, donc de, de jeux de rôle sur console, euh, je l'attends aussi ce remake parce que ça fait partie des, des, des jeux qui sont magiques qui, moi, ont bercé mon adolescence, comme je pense, énormément. De... Images, là, hein. voilà, comme, comme avec... voilà, typiquement, c'est vrai, il y a, y a les, les, les images qui sont très 2015, très 2016 pour le coup. Hein. On est très très loin de l'ambiance cubique qu'il y avait sur PlayStation 1, puisqu'il faut quand même rappeler que... Le premier FF1. Mmh. FF7 ff est sorti sur PlayStation 1. Bah, les progrès technologiques. Euh, voilà, ouais. donc les progrès technologiques aidants... 15... Ouais, c'était quoi, quoi 15 ans donc, Ouais, enfin pas loin. Euh, loin c'est hein. ça, ouais, oui à ça. peu près. Donc euh, euh, ça, c'est assez magique. Voilà, chez Sony, j'ai retenu ça. J'ai retenu un indépendant qui s'appelle euh, No Man's Sky, qui a l'air aussi complètement dingue. On peut explorer euh, des, euh, des galaxies, n'y a plus que savoir en faire. Euh, voilà, et puis euh, chez Sony toujours. Alors effectivement, Pierre l'a abordé, euh, y a alors Call of euh, sera euh, Call of Duty Black Ops 3 va sortir sur toutes les plateformes, mais c'est vrai que Sony euh, l'a vampirisé cette année, alors que l'année dernière pour euh, Advanced Warfare c'était euh, Xbox qui avait mis la main dessus. Donc euh, voilà, il y aura du contenu exclusif euh, sur sur Call of et aussi sur Assassin's Creed euh, chez Sony. Voilà, il y a euh, des exclus qui n'en sont pas tellement, etc. Et c'est aussi ça la guerre, euh, la guerre des consoles. Elle ne se mène pas tellement sur les chiffres de vente ou sur le nombre de, de fans. Ça se mène, ça, 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 ça se mène sur le catalogue. Et aujourd'hui euh, le catalogue s'étoffe pas mal des deux côtés et euh, on en parlait un peu avant mmh. l'émission. Aujourd'hui, on, euh, on est derrière la croisée des chemins old-gen, next-gen. Euh, si on regarde un petit peu euh, tout ce qui a été annoncé, il euh, y a énormément, énormément de titres qui ne seront pas sur les catalogues old-gen, qui ne seront que sur les next-gen. Donc le virage est bien, bien amorcé euh, cette année. Alors vous qui nous regardez, qu'avez-vous retenu si vous avez suivi également euh, toute cette actu de l'E3 2015 Qu'est-ce que vous en retenez C'est la question 01net Orange du jour. Donc votez, on fait le point dans deux minutes. Vous allez sur www.01nettv.com pour nous donner votre avis. Voilà et sur le hashtag 01live sur Twitter hein, pour poser vos questions. Jean-Pierre qui nous demande si la Xbox est la grande gagnante de cette E3. Je Eric. ne prendrai pas parti. <laughs> J'ai décidé de ne pas prendre parti. Je ne prêcherai pas pour une quelconque chapelle. Euh, je ne sais pas si c'est la grande gagnante. En tout cas, Microsoft a, euh, a montré plusieurs jeux qui vont sortir à plus ou moins court terme. Et euh, ce que n'a peut-être pas fait Sony ou peut-être ce qu'aurait peut-être dû mm -hmm. faire beaucoup plus Sony. En même temps, voilà, chez Sony, il y a aussi énormément de choses. Un mot sur Nintendo. Oui, voilà. Nintendo, qui, parce que... en revanche, a eu une conférence en... Enfin plus en demi-teinte. Voilà, c'est hein. ça. Alors Big N, hein, comme, euh, comme les fans l'appellent, etc. Big N euh, s'est livré à son exercice favori, c'est-à-dire euh, la conférence en ligne, uniquement en ligne. Et puis après, les, euh, les grosses têtes de Nintendo étaient accessibles hein, sur euh, le mmh. 3, mais ne faisaient pas de conférence en, en grand show, en grande lumière, euh, comme ont on pu le faire euh, Microsoft et Sony. Alors cette conférence, elle a un peu déçu parce qu'on attendait plein de choses. On attendait le projet NX, pas avant 2016. On attendait le nouveau Zelda sur euh, la Wii U. Rien du tout. On a eu, par contre, des sorties sur Wii U, sur euh, sur 3DS, qui ont l'air intéressantes, mais qui n'ont pas déclenché la ferveur, qui n'ont pas euh, peut-être eu le succès ou euh, attendu en fait. Et c'est vrai que euh, sur les réseaux sociaux, en tout cas sur la presse spécialisée et sur la presse tout court, etc. C'est vrai que bah, tout le monde était un petit peu, euh, un petit peu euh, mitigé. Alors, autre grosse tendance de cette E3, et Pierre nous l'a dit tout à l'heure, c'est l'arrivée euh, en masse, en fait, de tout ce qui est, euh, on va dire, réalité virtuelle, ouais. avec des masques, mmh. bien sûr. Alors il y a Hololens, il y a voilà. Oculus, voilà. effectivement. Oui. Alors et, euh, finalement, est-ce euh, que, est ouais. que la réalité virtuelle c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo Alors aujourd'hui, je pense que ce sont des très beaux projets. Ça donne vraiment envie. Euh, Peut-être que dans euh, cinq ans. On y sera vraiment. Pour l'instant, on en est encore qu'au balbutiement. Hein. On voit combien de temps Oculus a mis pour sortir son DevKit 1, son DevKit 2. A annoncé qu'en 2016, la version commercialisable allait arriver. Euh, pareil pour Sony avec son projet Morpheus euh, qui doit normalement arriver l'année prochaine. Donc effectivement, c'est à long terme. Je pense que ça va être des expériences effectivement hein, euh, pouvoir jouer, euh, être complètement dans le jeu. Alors on voit quelques images de Morpheus. Ouais. Paradoxalement, Morpheus a été très silencieux pendant cette 3 C'est oui, Sony n'en a, a pas beaucoup pas parlé. Hein. Quasiment pas. Alors, euh, bon, j'étais pas euh, à la conférence. Euh, effectivement, on l'a que très peu vu. On l'a entreaperçu. Euh, a priori, euh, effectivement, Sony restait assez discret euh, sur Morpheus. Moi, je m'attendais très personnellement à en avoir, euh, mais. Euh, euh, plein voilà, Plein yeux. les yeux, mmh. euh, plein de jeux, etc. Alors je pense qu'il y a un problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit euh, Sony, Microsoft, euh, que ce soit Valve, etc., tout le monde travaille avec tout le monde pour que quand les dispositifs vont arriver, on n'ait pas l'impression d'avoir euh, bah, le matériel mais pas le logiciel. Mais oui, puisque voilà. c'est toute la question des contenus. Qu'est-ce qu'il y aura comme jeu pour ce pour Et puis est-ce que les consoles vont, vont arriver à tenir la charge Parce que mine mmh. de rien, euh, techniquement, Mmh. C'est très lourd comme procéder, la réalité virtuelle. Il faut pouvoir avoir euh, de grosses bêtes derrière. Il euh, faut, faut, faut pouvoir avoir plein d'images. Il euh, faut que ce soit euh, fluide, etc. Ça, ça pose plein de questions matérielles qui sont très intéressantes en fait à suivre. Et donc euh, je pense qu'effectivement, il y, 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 y a des bonnes perspectives à 5 ans. Alors il y a une démo assez spectaculaire qui a vraiment fait le buzz et qu'on qu retiendra de cette 3. Ouais. C'est Minecraft avec ouais. le masque HoloLens de Microsoft. C'est spectaculaire, ouais. mais ça, c'est vraiment du, du très long terme. Ah oui, c'est du très long terme, et surtout, euh, voilà, on l'a bien vu. Hein, euh, pour pouvoir donner euh, aux spectateurs que nous étions l'impression que, euh, euh, effectivement, le, le, le domaine Minecraft sortait de la table, grosso <laughs> modo, pour voir ce que voyait la personne, le démonstrateur avec HoloLens, il a fallu créer, a priori, un dispositif assez particulier. C'était assez dingue, parce que euh, ce qu'on voit, enfin, si vous avez vu la conférence, moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'ils de étaient, images, étaient hein. deux, effectivement, euh, à faire la démo. Et dans l'univers créé euh, holographiquement, se baladait le deuxième joueur, donc la deuxième joueuse en l'occurrence, et euh, on la voyait évoluer en temps réel. Et on voyait euh, le, le, le démonstrateur pouvoir étirer la carte, etc. On voyait les strates mm -hmm. du royaume, etc. C'était assez dingue. J'avoue, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'en a mis, moi, personnellement, plein les yeux. Oui, c'est Voilà, Ça donne On envie. va voir apparaître la, la, la map en 3D sur la table. Ouais. Euh, ça c'est complètement magique c'est impressionnant ah ouais. c'est ça et en plus il le fait à la parole c'est à dire qu'il donne des ordres à HoloLens en tout cas au dispositif HoloLens et le HoloLens c'est le traduire c'est à dire qu'il traduire à la fois le mouvement mais aussi la parole Bon, Alors mais, mais ça eu... c'est pas pour demain dans les salons. Hein. Euh, J'aimerais bien, <laughs> mais non. Et puis surtout, il faut une grande table, hein, t'as vu hein, Malgré tout, oui, C'est pas ça. le problème principal. Hein. Ça c'est clair. Il euh, n'y a eu que cette démo faite euh, par HoloLens. Alors, il y en a eu une autre avec euh, Halo 5, a priori. Euh, le pierre y est allé. Pierre a fait un, un article à retrouver sur 01Net. Euh, a priori, Pierre était un peu plus, euh, un peu plus mitigé euh, avec son expérience HoloLens dans Halo 5. Euh, Je vous invite à aller lire l'article pour avoir euh, toutes ses impressions. Mm -hmm. euh, Je pense que là, on touche du doigt un peu une limite. C'est-à-dire, voilà, face à des choses assez simples comme Minecraft, parce que Minecraft, ça reste simple, mmh. on va dire, en termes mmh. de texture. Je pense que dans un environnement beaucoup plus complexe... Voilà, là il y a encore c'est là qu'on voit peut-être la limite ouais. finalement matérielle. Enfin euh, la limite ou les perspectives, voilà, ça. sont formidables mais voilà. pour un futur créer euh, encore. Voilà. Alors deux autres masques étaient présents donc l'Oculus Rift, hein, mmh. bien sûr, on sait que ouais. Microsoft travaille très étroitement avec l'équipe d'Oculus Rift. Qui donc il est... sort l'année prochaine, enfin, voilà. l prochaine ou l'année d'après, enfin l'année prochaine ou plus tard, on oui. voilà, voilà. voilà. en 2016 et puis HTC est son Vive qui était présent. Vous avez essayé d'ailleurs j'ai essayé qui est super enfin on a essayé tous les deux, ouais. c'est vraiment impressionnant. C'est sans doute peut-être ce qui se fait de mieux quand ouais. même aujourd'hui, pour l'instant, hein. ouais. C'est la plus belle expérience qu'on mmh. ait pu avoir vraiment avec un masque de réalité virtuelle. En tout cas, bon. c'est peut-être celle qui fait le moins bricolage euh, par rapport aux dernières versions. Bon, le problème, c'est qu'il faut trucs. bricoler la pièce où on joue, quoi. C'est ça. Il faut ah, des capteurs f... partout. c'est ah, bah, ou bah, oui, oui. partout Ça, euh, ça, ça rend folle Madame, quoi. Madame, c'est complètement folle. Pas Madame. Non, non, c'est pas Madame complaisante. Ou alors, il faut qu'elle essaie et qu'elle soit séduite. C'est ça. Un peu plus. Non, mais dans les salles de jeu dans des choses comme ça, c'est formidable. C'est pas pour la maison, ça. Ah, non, je ne pense demain. pas. Mais un environnement dédié, ça pourrait être super. Dans un parc d'attractions, par exemple. Voilà. voilà, on a hâte de goûter ça. Maintenant, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est véritablement l'avenir du jeu vidéo ou une tendance que euh, Une voilà. tendance. Est-ce que ça va pas faire flop comme la 3D On verra, on bien. verra ah, bien. On verra bien. Merci beaucoup, Émeric. Je vous en prie. Émeric Siméon, donc de la rédaction de 0 qui suit, qui suit pour vous aussi cette euh, 3. On, Jérôme, on va poursuivre maintenant direction Labo, mais peut-être auparavant faire un, un petit point sur ce sondage, justement, puisque on vous questionne concernant l'E3 avec notre sondage 01 Net Orange. Que retenez-vous de l'E3 Eh bien, en priorité, les annonces Microsoft, comme quoi, visiblement, quand même, tout ce qui a été fait autour de la plateforme Xbox, ça a bien marqué les esprits, à 40%, suivi par les masques de réalité virtuelle, 24%, Sony, euh, les éditeurs indépendants et Nintendo n'arrivent que. Après Nintendo, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça n'a pas euh, vraiment euh, déchaîné les passions. Hein. Voilà, alors qu'on attend voilà. évidemment une nouvelle console Nintendo qui devrait être annoncée l'année prochaine, en tout cas. Voilà, hein, c'est ça. D'après Nintendo. Merci Émeric 18h22, et direction maintenant le labo avec Stéphanie Bollinier et Bruno Cormier. Et voilà, 18h22, toujours le hashtag 01 Live, puisque nous sommes en direct, vous pouvez poser toutes vos questions, ça vous êtes tous impressionnés par la démo Minecraft en temps réel hein. euh, avec Hololand, c'est vrai que ça fait quand même rêver tout ça. Bruno qui a testé aussi euh, le HTC Vive. Hein, ouais, vive, oui, c'est magique. C'est hein. vraiment impressionnant hein, ouais, comme là, système. Bonsoir Bruno Cormier. Bonsoir. Et bonsoir à Stéphanie Molinier. Bonsoir. Alors Stéphanie, il faut se rapprocher du micro. Ouais. bien sûr, pour qu'on ouais. vous entende. bien. C'est le micro de campagne qu'on a voilà, mis là. Et, euh, il faut parler très près. On est très vintage <laughs> en ce moment, mais on a, on a on avait envie voilà, d'avoir oui. le micro années 80 sur Zero ah, Net TV. Ouais, ouais. Euh, on va commencer par toi Stéphanie, tu oui. es venue oui. avec bah, ta moisson de produits high-tech euh, de cette... De semaine. Oui, exactement. Alors, on commence peut-être par euh, un produit qui avait été un smartphone qui avait été euh, présenté euh, au Mobile World Congress oui. par Kazam. Euh, il avait présenté plusieurs modèles et plus particulièrement des Tornado, ce sont bien des smartphones, pas des aspirateurs. Oui, D'accord. Donc c'est là. La... Je connais aussi le tornado Rossini, qui est pas mal. mais euh, C'est autre chose. Non, non, non c'est un tout. peu plus grand. Donc en fait, euh, concernant euh, mal, ce smartphone, c'est euh, la gamme design, en fait, de Kazam. Oui. Hein, tornado, quand même, ça porte bien son nom. <laughs> et c'est des smartphones qui sont euh, ultra fins. Et euh, ce modèle qui avait été dévoilé, c'est un modèle 5,5 pouces. Alors, qui était supposé, particularité, être étanche. Ah. Voilà. Et donc Stéphanie s'est empressée, bien sûr, <laughs> de, de lui prendre... faire prendre son bain. De prendre son bain, ben ah voilà, c'est ah ça. Vous? Donc pas, euh, tout ça. Mais avoir le regard de Stéphanie, il y a un problème, non Oui, il y a un petit problème. En <laughs> fait, Allez. non, pas, j'ai pas eu l'occasion d'aller de, 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 me baigner avec euh, le Tornado 455. l donc, c'est un. Beau smartphone 4G, bien équipé, euh, qui, qui fonctionne bien. Euh, la seule chose, c'est qu'on m'a prévenu euh, très rapidement qu'il serait bien toujours commercialisé à 329 euros, mais que euh, il fallait oublier le côté étanche. Ah. Il était juste résistant aux éclaboussures. Bon. Ah, c'est pas la même histoire. Donc, du fait. coup, ça fait un petit peu cher. 329 euros, sachant qu'il n'est pas étanche. Est euh, cher, voilà, <laughs> ben, on va espérer. <laughs> Donc il est étanche, en fait. Il, faut, il, est, il, il est moqueur. Résistant aux éclaboussures. Donc ça veut dire que si par exemple on prend des gouttes d'eau ou il on téléphone bleu, avec, il pleut, ça voilà. va, il y a pas de souci. Pas de souci. Mais euh, on ne voilà. fera pas comme un Sony Xperia Z3 on ou peut pas un faire M4. De belles avec. Hein. Voilà, pas, exactement. Pas il vaudra mieux éviter. D'accord. Euh, alors l'inconvénient, ce n'est pas seulement le prix qui est resté à 329 euros, c'est qu'en fait, du coup, toute la connectique est protégée par, euh, par des caches. Oui. C'est-à-dire qu'on a les inconvénients de l'étanchéité sans les avantages. Exactement. Oh, oh. <laughs> oh, oh. bravo C'est sympa. Mais bon, ça c'est fort quand même. J'ai hésité entre 3 et 4 étoiles. J'ai quand même mis 4 étoiles parce que euh, du côté des performances, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. L'écran est bien lumineux. C'est un écran HD. Donc c'est un grand format. Après, il faut aimer. Il est bon en photo. Il est relativement durant, on ne peut pas vraiment se plaindre. Bon, voilà pour le Casam Tornado. Autre chose, Stéphanie, qu'est-ce que tu as pour oui, nous Oui, tout à fait. En fait, euh, une montre. Ah, une montre. Une montre. Fais gaffe euh... parce que Jérôme va te la piquer. Tu sais qu'il va. Moi, je suis accro. Je suis complètement Alors, accro. Aux de, de loin, ouais. ça va pas être euh, si évident que ça parce que l'écran n'est pas ultra ne, lumineux, ne s'allume pas, alors voilà, voilà Thomas nous fait un petit plan, ah mais c'est magique regardez on a un autre plan là, c'est ouais, formidable voilà. bien, on là. a même, oh bah ouais, oui là c'est parfait donc en fait cette montre c'est euh, la, un la, côté, ouais, la de Vivo valeur. Watch voilà. Voilà. comme ça, comme ça, ouais, voilà on peut, donc c'est quoi, quoi c'est un plus écran plus LCD plus. visiblement alors, ce serait un écran... C'est un, euh, un trop... écran LCD, mais qui n'a pas de rétroéclairage pour être vu à, au soleil, donc ce qu'on appelle les écrans, les écrans réflectifs. C'est pas de le ink comme on dit, c'est pas de l'encre. Non non, 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 non. C'est pas non, comme non. la Pebble. C'est du réflectif, en fait. Il euh, y a un gros avantage, c'est que ces casus qu annoncent 10 jours d'autonomie, et pour le coup, oui. euh, moi je l'ai utilisé une semaine, elle n'était euh, pas du tout... Euh... Mais oui, c'est pas c'est parfait. Oui, l'autonomie est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire En fait, c'est pas véritablement une montre connectée. Ah euh, c'est un bracelet connecté, plutôt, c'est euh, un tracker d'activité euh, fitness, donc euh, vraiment euh, tout le suivi de l'activité ah oui. du Pas sport. Pas de notification, de trucs euh, comme ça, sommeil. les SMS, le téléphone, tout ça, non. rien du tout. Non, alors. Manifestement, ils indiquaient au début qu'on pouvait au moins avoir euh, une vibration quand on recevait un appel. Moi, ça n'a jamais fonctionné et je n'ai trouvé aucune fonction de paramétrage. Ah. Ça viendra peut-être peut parce qu'il ah, y a oui, des y a mises a mise à jour qui régulière. sont poussées euh, régulièrement. Là, j'en ai déjà eu deux en l'espace d'une semaine. Euh, et la montre n'est pas manifestement encore vraiment tout de suite là sur le marché. Elle va arriver euh, incessamment. Elle est en euh, chaleur aussi <laughs> Non, non elle, serait, euh, elle serait résistante aux éclaboussures. <laughs> je ne sais pas s'il est prudent de prendre sa douche avec parce qu'elle est équipée et ça c'est intéressant euh, d'un capteur de fréquence cardiaque ah oui. Ah oui. donc ça c'est le petit Dessous. plus parce que pendant l'activité en fait la j'ai euh, testé euh, lors d'un footing en fait, on appuie sur le bouton pendant 4 secondes, ça lance un petit compteur d'activité, et en fait, pendant toute la durée, par exemple du footing, euh, il mesure en continu euh, la fréquence cardiaque, et comme je suis très sportive, au bout de 10 minutes, j'étais à 150, et là, la montre mmh. s'est mise à vibrer, à clignoter en rouge. Ça va pas du tout. <laughs> il faut ralentir. <laughs> voilà. Donc okay. c'est quand même pratique pour le sport, et ça coûte 149 euros. 149 euros, euros. C'est compatible. Dispo. Euh, alors, c'est en train d'arriver, je pense. Hein, c'est euh, duré iOS, Android, puisque c'est un système Asus, donc Et ça marche pas avec l'iPhone. On nous demande si ça marche avec l'iPhone. iOS Android. Android. À partir de l'iPhone 5. Ah oui, non, iOS Android, d'accord, tout à mmh. fait. Voilà. Absolument. Bien, Absolument. J ai, j ai iOS, tu sais ce truc qu'il y a dans l'iPhone <laughs> Vous n'avez pas entendu <laughs> cette question. Donc voilà, euh... 149 euros, on est un peu dans l'ordre de l'Alcatel Watch qu'on avait vu tout à, fait. à 129. Sauf qu'elle est plus complète. Celle-là, avec le, le capteur en continu, c'est plutôt sympa. Mais l'Alcatel avait pour elle les notifications. Et voilà, c'est ça, je trouve voilà. que l'Alcatel est plus complète. Enfin, oui, elle fait plus oui. de choses. On enchaîne avec autre chose, Stéphanie Oui, alors, je vais pas. Vous en parler il te reste euh, 40 secondes. ultra longuement, <laughs> mais on a reçu à la rédaction, à l'instant, ah le nouveau smartphone haut de gamme de Sony, euh, le, Z3 voilà. le Z3 alors Plus. le Z3 Plus qui devait s'appeler que... au départ le Z4, voilà. hein, rappelons-le. Hein. Oui. Et puis, euh, oui. voilà, on s'est rendu compte qu'il était pareil, et puis donc, ils se sont dit, on va l'appeler Z3 Plus parce qu'autrement, ils vont nous taper dessus. Donc, c'est la différence avec le Z3, il n'y a pas grand-chose finalement de différent, il y a le processeur. Alors, le boîtier est totalement identique, avec exactement euh, les mêmes matériaux. La seule différence, c'est que la finition du métal autour euh, du boîtier, du pourtour en métal, là, euh, et, et cette fois, elle est glossy, hein, elle est brillante, elle est lisse, alors que celle du Z3 euh, précédent était euh, euh, brossée. Plus métal bro brossé, exactement. Vous, On dirait que c'est toi qui alors... as fait le design du, 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 du Z3, c'est incroyable. <laughs> et donc, il est un petit peu plus fin. Ils annoncent 6,9 mm et un tout petit peu léger, mais franchement, ça se joue à pas grand chose. Non, la grosse différence, c'est que ce nouveau smartphone euh, fonctionne avec le, le processeur euh, Qualcomm Snapdragon 810 qui est Alerte. Ah, oh à là, là. <laughs> Il fait chaud. <laughs> Notre et donc, ami le radiateur. Euh, voilà. Euh, Sony, et là, déjà, il... Évidemment, tu, 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 tu l'as même pas encore ici. Ah ils tu on, on vient de le recevoir. De la boîte. Hein. Et voilà. et déjà, la boîte. au Japon, il commence à surchauffer. Euh, les premiers clients se le NTT DoCoMo, l'opérateur japonais, a, a reconnu que l'appareil surchauffait. Enfin, bon, c'est un peu un micmac là pour l'instant. Euh, Sony euh, bon, vous, assure. Vous allez nous tirer là, ça au clair pour, les, pour les jours prochains qui travaille que, quel, que Qualcomm, en effet, n'a pas lancé un nouveau processeur 810, mais qui travaille à une amélioration. Euh, du 810 mmh. en permanence et qu'il n'y euh, aura pas de Mais problème. Mais Qualcomm assure de son côté que le 810 fonctionne absolument sans aucun problème voilà. et, et qu'il ne surchauffe pas. Oui, je ne vois pas de voilà. quoi vous parlez. Voilà, il me, il me, et dernière chose pour les grands lecteurs, on vient juste de recevoir également à l'instant les, les nouvelles liseuses Amazon, les ah ouais. Kindle. Ah, ça risque d'être le best-seller de l'été, voilà, ça hein On a surtout la Kindle Voyage qui au début n'était commercialisée qu'aux États-Unis. Elle est disponible donc depuis aujourd'hui chez Amazon en France. Et et euh, ses particularités, c'est l'écran très haute définition, donc euh, 300 mmh. points par pouce, c'était 213 auparavant, euh, une luminosité de quand, le, la, la petite... Euh, oui, le rétroéclairage. Ré... Alors ce pas, ah, ouais, pas, pas tout à fait un rétroéclairage, rétro mais voilà, c'est euh, l'éclairage de la liseuse oui, oui. qui cette fois-ci s'adapte automatiquement euh, à l'éclairage extérieur. Donc ça hyper important et un nouveau système pour tourner les pages en fait euh, une sorte de système euh, haptique c'est à dire qu'on a juste à poser euh, les pouces pour que les pages se tournent on peut régler euh, la mmh. la pression hein, euh, pression faible ou plus plus importante donc euh, voilà il y a quelques nouveautés et elles s'accompagnent au passage d'une nouvelle Paperwhite qui elle a juste un, un, un écran de meilleure définition non non même même, même taille d'accord si même même compte. voilà donc euh, de nouveau super papier. et on a les prix des, des, des tablettes Amazon ou pas oui oui, oui, tout à fait. Euh, alors pour euh, pour la Paperwhite, en fait, c'est juste, euh, elle vient juste en remplacement, donc c'est le même prix le même à partir prix. de 130 euros. Et euh, pour euh, la voyage, c'est un petit peu plus cher. Euh, c'est à partir, c'est 190 euros pour la version Wi-Fi et 250 euros pour la version 3G. Très bien. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. Plus d'infos sur tous ces produits euh, sur zeronet.com, bien évidemment. Bruno... Bruno Cormier. Mais bon, bah, moi, je vais paraître un peu ridicule, hein, <laughs> j'ai quasiment rien à présenter. Non, mais t'as un petit boîtier, là, mais qu'est-ce que c'est que ce Alors, truc voilà, est. alors ça, c'est pas un smartphone, euh, c'est pas un disque dur, C'est pas une souris non plus. Ce n'est pas une souris. C'est un boîtier qui permet euh, aux joueurs, notamment, c'est surtout ça va s'appliquer aux joueurs, de euh, diffuser en direct leur partie de jeux vidéo euh, sur YouTube, sur Twitch. Et alors c'est très à la mode en ce moment. Mm -hmm. Et on a bien sûr euh, appris récemment que, que YouTube allait lancer, lancer euh, également. Voilà, euh, mm -hmm. lancer euh, toute une plateforme de streaming, ce mm -hmm. qu'on appelle diffusion de jeux vidéo en direct, mm -hmm. euh, et passer surtout au full HD à 60 images secondes, parce que vous savez que, wow. en fait les. Les, les films sont à 25 images secondes, mais les jeux vidéo, ils sont à 60 images secondes a dans l'idéal, voilà, sûr. voire 120, voire 144 maintenant. Et euh, pour que c'est plus fluide, c'est plus agréable à, à regarder. Et donc, c'est beaucoup mieux, même en streaming, quand on voit la vidéo du jeu, c'est beaucoup mieux de regarder un, un, un jeu super fluide plutôt que ouais. 30 Et images YouTube secondes. Passe YouTube images secondes. passe à 60 images par seconde. Et justement, on a testé ce petit boîtier qui est le seul boîtier à 180 euros, seul boîtier externe à ce prix-là qui permet de faire de la diffusion. En full HD à 60 images. Donc je moment. branche ça sur ma console Sur tout type de console. Euh, toutes, ça fonctionne avec toutes les consoles HDMI. Ça fonctionne aussi avec les PC. Ça ne fonctionnera pas avec les systèmes HDMI, euh, les signaux HDMI protégés. Donc oui. euh, pas de platine DVD, plat, plat, oui, ou le platine enfin, voilà. trucs-là. Voilà. Dès que c'est protégé, en fait, ça ne marche plus. Voilà. Okay, et donc après, euh, ça va encoder tout seul ça envoyait, et ça envoie tout ça sur YouTube automatiquement Alors justement, c'est là que ça se complique. C'est que euh, certes, c'est pas cher du tout. 180 euros, pour, euh, pour vous donner un point de comparaison, une carte d'acquisition qui fait du Full HD à 60 images secondes, ça coûte euh, 500 euros. Wow. Voilà, minimum. Euh, Alors où est le loup Entre 3 et 500 euros. Le loup, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'encodage matériel ici. Donc en fait, tout va se faire euh, par retour en USB vers un PC qui va devoir encoder euh, la vidéo pour la diffuser sur YouTube. Et le truc, c'est que euh, le, le logiciel est très bien fait. Le... Le logiciel est très bien fait, il est très facile à utiliser. Euh, L'interface est assez sympa, mais c'est trop buggé. Euh, la qualité de l'encodage de la vidéo n'est pas assez bonne, même, euh, même à haut débit. On peut régler que le haut débit. On aurait préféré régler plus de paramétrages pour améliorer la qualité de l'encodage vraiment réel de la vidéo. Et donc voilà. Donc, euh, ensuite, si vous voulez diffuser de la vidéo en full HD, 60 images par seconde, c'est 7 mégabits en upload, minimum mégabits par seconde. Donc il faut avoir la fibre en fait. Oui, c'est enfin. ça. Ouais, cette méga ouais. avec la DSL, c'est même pas la peine. <coughs> Donc, euh, mitigé. C'est hein. moyen. Euh, mm. On attend vraiment une grosse mise à jour de leur logiciel qui pourrait arranger beaucoup de choses. Merci beaucoup, Bruno Cormier. Merci, Bruno. Elgato. Elgato HD60. C'est amusant. Ils font, comme ils font nom. des produits très rigolos, des, des trucs. Oui, des ils ont des bannes de télé, de TNT, mmh, sur ils font, iPad, gâteaux, etc. ils font pas de gâteau. Merci, Jérôme. Celle-là, je me suis dit, je ne vais voilà. pas le faire. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est pour moi. On est en retard, mais allez, on prend encore 30 secondes. C'est bien? On prend encore 30 secondes pour parler d'un nouveau produit qui, qui vient d'arriver également, qu'on verra peut-être en test prochainement sur 01 et TV. C'est la caméra Nest. Vous savez, Nest, euh, l'américain qui avait lancé le tout premier thermostat connecté qu'on pouvait piloter avec son iPhone, puis un détecteur de fumée. Eh bien, voici qu'il se lance dans la vidéo domestique. C'est un peu, c'est très à la mode. Hein. La suite au rachat d'une société euh, qui marchait très bien aux États-Unis, qui était Dropcam. C'est une caméra best-seller et ils ont adapté la Caméra Dropcam pour proposer leur petite caméra Nest connectée qui a comme particularité de filmer en full HD, d'avoir une bonne visibilité en mode de nuit également et de pouvoir diffuser en direct sur YouTube. Voilà, et elle coûtera environ 200 euros, je crois. 200 euros, et puis après vous avez tout un. Un système d'abonnement aussi pour euh, conserver toutes vos vidéos dans le cloud. Hein, voilà, elle sort début juillet. Euh, entre, et ça peut, ça peut vous rajouter un abonnement d'entre 10 et 30 euros suivant la capacité de stockage dans le cloud que vous choisissez. Voilà pour cette Nest Cam qui sort là ces jours-ci. Hein. Début juillet, oui. Voilà, ce Zéro en live hebdo est terminé avec un peu de retard. Mais bon, écoutez, c'est tellement un plaisir de vous retrouver chaque jeudi soir qu'on n'arrive pas à être à l'heure, on déborde. Mais ben voilà, c'est comme et ça. Et oui, un dernier petit tour du côté de la, oui, de de la de notre question, question Zero net orange. Hein voilà, et eh bien écoute c'est assez amusant parce que tu te souviens qu'il y a deux minutes Il y avait faut... Microsoft qui avait pris un petit peu d'avance oui, en fait Voilà et eh bien maintenant, attention, tenez-vous bien. Attention, attention les amis. Attention, non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai déjà trouvé. Hein, la dernière fois qu'on a vu le sondage avec Jérôme, <laughs> on était à égalité entre la Microsoft et, oui, et Sony. Visiblement, les, les, les Sony fanboys euh, se sont mobilisés pour voter. Mmh. Et donc, regardez ça, Sony et Microsoft exactement à égalité, 31,94%. Voilà, joli score aussi pour la réalité virtuelle. Ouais, voilà. euh, merci d'avoir été avec nous, comme chaque jeudi soir pour ce Zéro en live hebdo. Henri, replay bien sûr, sur 01nettv.com, sur Dailymotion et sur YouTube. Passez une très bonne soirée et on sera là, bien sûr, demain. Salut à tous, à bientôt.